Andrew Cuomo, démissionner ou ne pas démissionner La Maison Blanche accueille l'aide de Donald Trump Et la politique étrangère de Biden avec la Corée du Nord, la Chine et la Russie Tout cela et bien d'autres choses encore dans les gros titres de cette semaine. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Êtes-vous fatigué d'entendre parler d'Andrew Cuomo et souhaitez-vous qu'il démissionne déjà de son poste de gouverneur de New York Eh bien, la moitié de New York n'est pas d'accord avec vous. Un sondage publié par Siena College révèle que 50% des électeurs inscrits de l'État de New York ne croient pas qu'Andrew Cuomo doive démissionner immédiatement. Et ce malgré le fait que cette femme accuse Andrew Cuomo d'avoir agi de manière inappropriée en les harcelant sexuellement et 15 000 autres femmes qui l'accusent d'avoir agi de manière inappropriée en assassinant leurs grands-parents. Malgré les résultats du sondage, de plus en plus de démocrates demandent à Cuomo de démissionner, y compris le sénateur de New York, Chuck Schumer. Il a déclaré, en raison des multiples allégations crédibles de harcèlement sexuel et d'inconduite, il est clair que le gouverneur Cuomo a perdu la confiance de ses partenaires gouvernementaux et du peuple de New York. Le gouverneur Cuomo doit démissionner. La leçon à tirer est donc la suivante. Vous voulez adopter des politiques létales qui tuent des milliers de personnes âgées Très bien. Mais ne faites pas le malin. Cependant, le président Biden ne fait pas partie de ces voix démocrates qui appellent à la démission du gouverneur Cuomo. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, voici ce qu'il avait à dire. Pensez-vous que le gouverneur Andrew Cuomo devrait démissionner Je pense que l'enquête est en cours et que nous devrions voir ce qu'elle nous apporte. Biden est seulement allé jusqu'à dire que Cuomo devrait démissionner si l'enquête confirme ses allégations à son encontre. En ce qui concerne le scandale Andrew Cuomo, le président Biden est resté très discret. Ce qui est surprenant. Il y a une chose dans laquelle les mains de Biden sont impliquées, une tournée nationale. Cette semaine, la Maison Blanche a lancé ce qu'elle appelle la tournée « L'aide est là » pour promouvoir son plan d'aide de 1,9 trillion de dollars contre le coronavirus. J'espérais que la première tournée que je verrais après la pandémie serait celle des Red Hot Chili Peppers ou Billy Eilish. Eh, hey, ne juge pas. C'est pas si bizarre. Je te ferai savoir qu'il y a plein d'hommes de mon âge qui aiment les Red Hot Chili Peppers. Mais bien sûr, les politiciens qui promeuvent la législation, ça a aussi l'air d'être un bon moment. Quand on lui demande pourquoi ils essaient de vendre une loi qui a déjà été votée, la vice-présidente Kamala Harris répond ⁇ Nous voulons éviter une situation où les gens ne savent pas ce à quoi ils ont droit. Il ne s'agit pas de la vendre, mais de faire connaître aux gens leurs droits. Voyez cela plutôt comme une campagne d'éducation publique. Ou jouez à FreeBird. Malgré cette campagne d'éducation du public, nombreux sont ceux qui s'inquiètent encore du projet de loi d'allègement des charges liées au coronavirus. Cette tournée, faire connaître aux gens leurs droits, est également inquiétante car la dernière fois que Kamala Harris a lu à autant de personnes leurs droits, cela a abouti à une incarcération de masse. Plus d'informations après la pause. Bon retour. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle accueillerait favorablement l'aide de Donald Trump pour promouvoir le vaccin contre le coronavirus. Lors d'un briefing, le secrétaire de presse Jen Psaki a déclaré ⁇ Si l'ancien président Trump se réveillait demain et souhaitait s'exprimer davantage sur la sécurité et l'efficacité du vaccin, nous le soutiendrons certainement. La Maison-Blanche cherche des moyens de convaincre les républicains de se faire vacciner, les sondages montrant qu'ils sont moins disposés à le faire. ⁇ Trump a réagi à cela sur Twitter, en disant :« Oh, ça ne fait rien. » Le docteur Fauci a également encouragé Trump à soutenir le vaccin. Il a déclaré :« C'est une personne très populaire parmi les républicains. S'il disait :« Allez vous faire vacciner, c'est vraiment important pour votre santé, la santé de votre famille et la santé du pays. Il semble absolument inévitable que la grande majorité des gens qui le suivent de près l'écouteraient. » Trump a effectivement fini par approuver le vaccin dans une interview mercredi. Je le recommanderai et je le recommanderai à beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire et beaucoup de ces gens qui ont voté pour moi, franchement. Mais encore une fois, nous avons nos libertés et nous devons les respecter, et je suis également d'accord avec cela. Mais c'est un excellent vaccin. C'est un vaccin sûr et c'est quelque chose qui fonctionne. La Maison-Blanche a donc reçu l'approbation de Trump. Mais je dis pourquoi s'arrêter là Pensez à combien d'autres personnes vous pourriez convaincre si d'autres républicains très populaires en faisaient la promotion. Le président Biden devrait accueillir l'aide de Ted Nugent, Kevin Sorbo et Charles Entertainment Cheese. Yep, Chuck e. Cheese est un républicain. Encouragez les enfants à travailler pour gagner de l'argent et le dépenser pour des biens de consommation, ce que vous appelez ski ball j'appelle ça du capitalisme. Autre chose pour laquelle Biden devrait demander l'aide de Trump, entrer en contact avec la Corée du Nord. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Nous sommes de retour. La Maison-Blanche dit que les États-Unis ont contacté la Corée du Nord, mais n'ont pas reçu de réponse. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré Notre objectif est de réduire le risque d'escalade. Mais à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Et ils ont tout essayé. Appel téléphonique, email, Dennis Rodman. Ok. Je ne sais pas si la Maison-Blanche a vraiment appelé Rodman. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont pas essayé assez fort. La Maison-Blanche est particulièrement désireuse de reprendre les discussions avec la Corée du Nord, depuis qu'un général américain a déclaré que le pays pourrait bientôt tester un nouveau missile intercontinental. Mais la Corée du Nord a continué à les ignorer, invoquant les hostilités. La sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a critiqué les États-Unis et la Corée du Sud pour la tenue d'exercices militaires, déclarant nous profitons de cette occasion pour mettre en garde la nouvelle administration américaine qui s'efforce de dégager une odeur de poudre sur notre territoire. Si elle veut dormir en paix pendant les quatre années à venir, elle ferait mieux de ne pas faire de vagues dès le premier pas. Compte tenu de cet avertissement de ne pas faire de vagues, les experts conseillent au président Biden de ne pas demander à Kim Jong-un de retirer son doigt. Peut-être que Kim Jong-un ne répondra pas au téléphone parce qu'il a peur que la Corée du Nord soit la prochaine étape de la tournée, l'aide est là, du président Biden. La dernière chose qu'un dictateur souhaite, c'est que ses citoyens apprennent leurs droits. En parlant de cela, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a critiqué le bilan de la Corée du Nord en matière de droits de l'homme lors de sa visite au Japon et en Corée du Sud avec le secrétaire à la défense Lloyd Austin en début de semaine. Il a déclaré, le régime autoritaire de la Corée du Nord continue de commettre des abus systémiques et généralisés contre son propre peuple. Nous devons nous tenir aux côtés des personnes qui réclament des droits fondamentaux et la liberté contre ceux qui les répriment. Blinken a également critiqué les abus de la Chine en matière de droits de l'homme, déclarant, la Chine utilise la coercition et l'agression pour éroder systématiquement l'autonomie de Hong Kong, miner la démocratie à Taïwan, violer les droits de l'homme au Xinjiang et au Tibet. Et affirmer des revendications maritimes en mer de Chine méridionale qui violent le droit international. Ce sont des commentaires cinglants. Ce serait certainement gênant s'il devait rencontrer des officiels chinois en face à face. Ce qu'il a fait jeudi et vendredi à Anchorage, en Alaska. Et oui, c'était gênant. Principalement parce qu'aucune des deux parties ne savait quel genre de réunion ce serait. C'est comme quand vous invitez un collègue de travail à dîner. C'est un rendez-vous ou juste des amis qui sortent ensemble? Devriez-vous lui tenir la main ou lui dire d'arrêter de mettre les gens dans des camps de concentration? Un rendez-vous, j'ai raison. Les États-Unis ont participé à la réunion dans le but de confronter la Chine sur les questions de sécurité et de droits de l'homme. La Chine a participé à la réunion dans le but d'obtenir des États-Unis qu'ils abandonnent les politiques plus dures de l'ère Trump contre le Parti communiste chinois, y compris les sanctions contre les entreprises et les individus chinois. Et cela s'est très bien passé pour les deux parties. Je veux dire par là qu'ils ont eu une prise de bec publique. Cela s'est produit lorsque les diplomates chinois ont commencé à faire la leçon aux responsables américains, ce qui a transformé une séance de photos de 4 minutes en une prise de bec diplomatique qui a duré plus d'une heure. Donc, je vais y aller avec. Ce n'était pas un rendez-vous. Nous couvrirons plus en détail le sommet USA-Chine dans notre prochain épisode. Mais, deux mois seulement après son entrée en fonction, le président Biden doit faire face à l'hostilité croissante de la Corée du Nord et de la Chine. Au moins, les tensions avec la Russie ne sont pas aussi en hausse. C'est ce que je dirais si les tensions avec la Russie n'étaient pas aussi en hausse. Biden a traité Poutine de tueur. Et il ne faisait pas référence au corps du tueur. Un rapport sur les élections américaines de 2020 a conclu que si la Russie n'a pas manipulé les résultats des élections, elle a essayé d'influencer l'opinion publique. Le rapport déclare, le président russe, Poutine a autorisé, et une série d'organisations gouvernementales russes ont mené, des opérations d'influence visant à dénigrer la candidature du président Biden et du Parti démocrate, à soutenir l'ancien président Trump, à saper la confiance du public dans le processus électoral et à exacerber les divisions sociopolitiques aux États-Unis. Donc, l'objectif de la Russie était de donner une mauvaise image de Biden et du Parti démocrate, de saper la confiance dans l'élection, et d'aggraver les divisions politiques aux États-Unis Eh bien, nous leur avons certainement rendu la tâche facile. Le président Biden a répondu à ce rapport en disant que Poutine était un tueur et qu'il en paierait le prix. C'est étrange que Joe Biden ait dit qu'il ferait payer un prix à un dirigeant étranger quand il le rencontrerait. Parce que d'habitude, c'est Hunter Biden qui organise ces rencontres. Pendant ce temps, Poutine a répondu aux mots de Biden en le défiant lors d'un débat. Je sais, je suis surpris, moi aussi, je pensais que Poutine allait défier Biden dans un combat d'ours. Au lieu de cela, Poutine a essentiellement défié Biden dans un débat télévisé en direct. Et il a également répondu à Biden qui le traitait de tueur en disant littéralement :« Je sais que tu l'es, mais qu'est-ce que je suis ?» Et il a affirmé qu'il y avait un sens très profond dans cette phrase. Ok, si je sais ce que tu es, mais que suis-je Et le niveau de discours que nous pouvons attendre d'un débat Biden-Poutine Je dis allez-y, c'est l'Amérique. Nous aimons quand la politique est pleine de divertissements enfantins. J'espère juste que je ne serai pas à court de popcorn. Alors, que pensez-vous des histoires que nous avons couvertes? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, l'émission Amérique Dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/slash America Uncovered. Contribuez à hauteur d'un dollar ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappelle. Merci de regarder l'émission Amérique Dévoilée.